Déjà des choix. Je sais pas gâteau de qui. Alors, je sais pas gâteau de qui, j'allais le choix. Je choisis seulement. Et ça fait rire dans mon estomac. Hein? Tu rentres. Ah, j'ai les nausées. Là, il dit que le gâteau, si je veux pas que je le mange. Pourquoi est-ce que j'ai les nausées d'un coup? C'est pas possible. Qu'est-ce que je peux avaler là? J'ai les nausées, c'est hallucinant. D'un coup comme ça. Bon, c'est pas là. Non, le gâteau là, il est chanceux. Le gâteau là est chanceux. Qu'est-ce que je peux avaler pour couper les nausées? Voilà, un peu de vinaigre. Il y a des bonbons alcoolisés ici. Ben voilà. Des bonbons mentholés. C'est quoi cette histoire? Bonjour Paris. On dit quoi? La chaleur, ça va finir avec moi cette année. Hé, maman, il fait combien de degrés là? 26. 26 degrés. Quoi faire? Je viens rendre ma copie. Nous étions tous suspendus, hein, à la porte de la FECAFOOT. Nous avons donc vu notre entraîneur débarquer. C'est petit comme ça. Nous avons donc vu notre entraîneur débarquer. On va encore dire que quoi? Oh, Colo, c'est tordu, pourquoi? On va encore dire que quoi, non? Nous attendons la sortie, la prochaine sortie de Coming Molay, où ils ont décidé tous les deux de poser arme au sol. Ils ont décidé de poser arme au sol. Ah oui, parce que il y a la paix des braves. Hein. Surtout que quand tu es en mode hautes instructions, il y a les moments où il faut savoir déposer les armes. Parce qu'à force de make noise, là, plus d'une personne peut très vite s'engouffrer dans la brèche. On dit ça comme ça, il dit rien. Ah, maman, ça c'est de la baleine spirale. Hein. Fallait y penser. Il fallait y penser. Alors là, j'ai souvent des idées complètement tordues. Mais c'est normal que ce soit tordu. Ah, la famille. J'espère que les hiboux et les églisiens vont, pour chaque groupe, rentrer en zone. Oui. Vous voulez quoi d'autre? Danny Scorpio, comme je suis fatigué là, j'ai cru avoir entendu arriver à mes oreilles une expression, un jar. Mais vous ne vous respectez pas souvent, Danny Scorpio. Hein? Danny Scorpio, vous ne vous respectez pas. Oh, et quand Camerounais va faire preuve de tribalisme, tu vas commencer à pleurer partout. Quand tu vas entendre dire qu'un de tes joueurs préférés s'est fait huer, hein, tout en faisant son job, tu vas commencer à dire que oh, bakala, bakala, bakala. Donc, tu es assis en plein direct devant ces 400 personnes. Je ne sais pas combien, 400, 300, 400 personnes. Et tu sors cochon gratté avec espèce au début. Aucun respect de ta petite personne. Tu vois que moi, c'est ma seille là maintenant et que je parle de ton physique. Danny Scorpio, vous ne pouvez pas faire des reproches. En ce qui concerne un sujet, vous-même vous engouffrez dedans. Toi, tu t'acharnes sur l'entraîneur là, il s'est auto-imposé à vous. Hein? Est-ce que l'entraîneur là s'est auto-imposé à vous? C'est vous qui êtes allé le chercher. C'est ton gouvernement qui est allé le chercher sous hautes instructions. Je ne pense pas que cet homme-là un jour a pensé débarquer au Cameroun ou s'imposer à vous. Non. C'est vous qui lui avez donné le visa. Donc, même si tu l'as mauvaise,
Tu devrais un tout petit peu refaire ton éducation. Si ceux qui étaient là-bas ne t'ont rien dit, moi, je te dis ça en te regardant bien droit dans le blanc de l'œil. Un vieillard comme ça, avec les poils blancs qui sortent des narines. Et tes narines étaient posées là comme ça. Il y a quelqu'un qui a écrit là-bas que tu es bantou. Et qui vous a dit qu'avoir le nez épaté, c'est une, comment dire, un trait commun à tous les bantous. Et en plus, sur les Occidentaux qui avaient dit ça à un moment précis, ils n'avaient pas encore vu l'ensemble des populations africaines. Parce que dès que vous tournez comme ça, vous êtes bantou, c'est pour cela que vous êtes. Tu as le nez épaté, tu as le nez épaté. La bantou attitude a quoi à voir avec ça? C'est un trait spécifique aux bantous. Est-ce que tous les bantous ont donc le nez épaté? Non. Hein? Tous les bantous ont le nez épaté. Regarde-moi là. Sauf si tu m'apportes la preuve par je ne sais pas combien que j'ai du sang caucasien dans les veines. Coucou Malolo, comment vas-tu? Coucou ma Josiane, coucou Maudette, coucou Clotilde. Hein? Il faut souvent vous respecter. Tu es versé là, dans un environnement hostile. Hein? Danny Scorpio, regarde ton environnement. Tu prends ta longue bouche là. Tu parles un belge. Toi là, dans ta crasse, tu ouvres ta bouche. Tu parles fort à un Belge. Il s'est imposé à toi. Ton gouvernement qui, à coup de mafia, allait le chercher. Lui, il est venu prendre son argent. Qui aurait même dit que... Ah, vous sauvez souvent les gens de leurs conditions. Et après, c'est vous qui l'avez encore mauvaise. Solution de facilité. Au lieu d'aller t'en prendre aux hautes instructions qui ont décidé que c'est lui. On a mis les Caucasiens, vous avez pleuré. On a mis son, vous avez pleuré. On repasse aux Caucasiens, vous pleurez toujours. Hein? Ah, il a un problème avec Onana. Ah, Daniel Scorpio, lui, ce soir, voit les problèmes avec les gens là. Tu cherches même la personne, tu ne vois pas. Hein, Daniel Scorpio? Toi-même, quand tu te poses comme ça, tu peux traiter quel être humain d'espèce de quelque chose. Hein, quand tu te regardes dans le miroir, tu as l'impression que la nature t'a gâté. Hein, le père? Parce que quand il faut faire des comparaisons là avec... un genre de faune là. Tu as le prototype même. Hein. Tu vois comment je chante tes descendants sans utiliser les mots. Oui. Quand il faut taxer un être humain de quelque chose qui ressemble à un animal faisant partie de la faune, tu es un des prototypes. Entre nous là, tu peux t'asseoir comme ça, tu dis espèce de à un être humain. Tu t'es regardé toi-même là, dans l'escapier. Comme on vous redresse, tes parents ont, il y a des tirages d'oreilles qui sont perdus dans la nature. Il faut qu'on refasse ton éducation, ton vieil âge. Tu as les poils poivre et sel, des poils poivre et sel qui sortent de tes narines et tu mets ça là comme ça. Même nous qui avons de jolis nez là, hein, ne nous mettons pas les narines là comme ça là, face à la caméra. Et tu es assis où? Le mur derrière toi là. Et tu t'adresses à un Belge en mode espèce de. La misère a dit sort de ton corps à travers les pores. Et pas porc, cochon, ce coup-là. Avec RES. La misère. Il faut pas souvent descendre nos noms comme ça. Quand on dit Cameroun, on prend aussi un Danny Scorpion, on vient, on met là parce que Meta nous a sauvés, nous tous là. Coucou, ma Jamel. J'ai eu mal au tympan. Va t'en prendre à ton gouvernement, mon frère. Va t'en prendre à ton gouvernement. Tu es là, à Donf, c'est toi qui fais des reportages. Tu fais des reportages, toi-même là, tu n'es pas dans la lutte. Ou bien ça nous a tous dépassés. Tu as trouvé ta part de congélateur. Tu es allé te faire congeler à l'Africa Food. Danny Scorpio. Ninkakon, ouais, Nkaka Machine. Mbomo, ouais, locomotive au Torail.
J'ai la chance, je suis fatiguée, j'allais très mal te ramasser. Oui, il faudrait souvent que des personnes autour de vous, là, vous remontent les bretelles. Tu ouvres un yanda qui, comment on appelle ça, ambassade, la baleine ambassade. Un yanda, tu oses sortir de tes cordes vocales, la espèce de. Et quand on parle d'espèce là, Danny Scorpio, est-ce qu'on a besoin d'aller loin? Descendant brut de décoffrage de comment on appelle même le personnage là dans la planète des singes, comment on l'appelle? Ah, purée, comment on l'appelle? Bonjour poivré, menthe poivrée. J'ai même un bonbon à la menthe dans la bouche. Danny Scorpio. Des êtres humains qui doivent traiter d'autres espèces de quelque chose qui fait partie de la faune. Toi aussi, un yandagnon. Tu ouvres la bouche. Ah non, mais j'ai même pas besoin de lunettes pour voir ça dit ta proximité génétique avec les choses qui ont. Qui hein? Oh purée, je sais pas comment formuler ça. Comment on appelle le personnage là dans la planète des singes? Comment on l'appelle? Celui qui est vilain là, celui qui a la rancune tenace comme ça. Comment est-ce qu'on l'appelle ce personnage-là? J'ai failli dire Govou, c'est pas Govou. Quand je vais chercher. Tu ouïes en propre. Parce que tu as le macabo. Même si tu as le macabo. Oui, il le traite de colon. Il le traite de. Il s'est imposé à toi. Non, non, il le traite de sale ceci, sale cela. Kobo! Ah, oh, Prisca, j'allais y aller chercher lui. Méchant à souhait. Bonjour, Hervé. Méchant comme tout. L'aigreur. La chaleur du 237, là, toi, t'as pas là. C'est dès que tu attrapes un Caucasien, c'est sur lui que tu verses ça. Le gars a pris ses pieds comme ça. Il a débarqué au Cameroun. C'est pas vous qui êtes allé le chercher. Si tu n'es pas content, tu envoies une missive aux instructions. L'éducation, ton éducation est sous réserve que tu aies été éduqué un jour. T'as pas d'éducation, est passée par où? Hein? C'est comme ça que moi, mon bad me revient. Tu m'avais, il fut un temps là, toi, là, tu me nettoyais. Hein? Tu me ramassais sur ton mur là-bas, que quand tu te regardes, tu me. Moi, là, le genre, là, je. Et toi, là, je peux te voir. Hein, Danny Scorpio? Tu avais ouvert ta bouche là comme ça pour parler de moi. Toi là, quand tu me regardes comme ça, toi là, tu peux mettre ta main sur moi. Que nous sommes, je te laisse même mettre sur mon vêtement. Ne parle même pas de. Hein? Non. Hein, Danny Scorpio? Donc tu ouvres ta bouche là, tu dis espèce de gadourou. Tu dis carrément espèce de gadourou. Espèce de gadourou gratté, carrément. Si Marc Brice là s'assied comme ça pour te traiter de Kobo, au Kobo. Non, c'est Kobo. Le gars, il a le bas des êtres humains, le singe là. Un singe de laboratoire. Coucou, Traoré. Tu capes quoi aujourd'hui? Ouais, tu capes à quel carrefour? Emma. Il a, c'est-à-dire, de l'être humain, il n'a. Eu que le mauvais côté. Donc, il a le bas contre les êtres humains. Je fais ça. Bonjour, Janine. Et c'est comme ça que Danny Scorpio est. Hein? Nimbom, ouais, klaxon au torail. On dit souvent que, en Goumba, on dit que ton taille, quelque chose est grand comme un bruit. Hein? Ouais, klaxon au torail. Alors, le bruit là qui n'est retenu par rien du tout. Ça s'étend seulement vroum, vroum, vroum. En gros, on dit que tu as quelque chose grande comme le bruit. Non, le mec fait preuve d'une vie. C'est-à-dire, le macabre que le gars a est mal éduqué. Non, mal, même pas mal. Mal, c'est que quelqu'un a même essayé, non éduqué.
Nous avons fait la paix, Richard. Ça veut pas dire tu te rappelles à mes bons sentiments ou à mes mauvais sentiments, je ne sais pas. Laisse-moi, j'ai attrapé, j'ai un autre client. Parce qu'il dit souvent ces choses-là, personne ne le reprend. Hein. Ce n'est pas la première fois hein, que toi, Danny Scorpio, tu te mets comme ça face à l'assemblée, à une assemblée, et tu injuries. Est-ce que tu t'es bien regardé? Ou bien c'est parce que justement tu te regardes trop bien? Tu l'as mauvaise que la nature ne t'ait pas gâtée. On t'a pas, toi, le bantou là. On t'a pas expliqué qu'on prend soin de ses invités. On ne manque pas de respect à ses invités. C'est pas votre invité. Adam Scorpio, quand tu te regardes dans le miroir là, toi là, de nous tous là, nous autres êtres humains là, au-dessus de la chaîne, tu peux traiter quelqu'un d'espèce de. Hein, Danny Scorpio? Non, sérieux. Soyons sérieux. Même le gris argenté devant toi n'est pas un primate. Même le gris argenté. Lequel même là? On va aller chercher lequel? Non, sérieux. On va chercher lequel? Tant que je cherche, je vais trouver celui qui te sied, dont tu es le frangin. C'est ça qui est ça. Et tu peux aller déposer une plainte si tu veux. Comme il y en a qui te laissent faire. Alors, espèce. Je vais trouver celui qui te sied. Bon, il y a les bonobos. Il y en a 17. Il y a 17, non, 20, une vingtaine. Donc. Parmi les primates, il y a les gorilles, les babouins, les chimpanzés, les bonobos, les macaques, les singes, les tarsiers, les capucins, hein? Les pilemus, connais pas ça. Les loris, oh putain, les ouistitis, les capucins, les gibbons, les. Hein? Il y a humain dans ça. Il y a humain dans ça. Oh putain! Les macaques, les makikata, les colombes, hein. Tu veux que y a humain, c'est bon. Il y a humain dans ça, en vrai. Les humains font partie des primates. Donc normal, qui est comme un air de famille. J'ai oublié mes cours. Hein. Je refuse seulement de faire partie des primates. Hein? Non, non, sérieux. Tu t'assieds comme là, tu dis espèce de gadourou gratté. Non éduqué, va. Des personnes qui donnent mal aux oreilles. Alors, tu ne peux pas faire un direct sans laisser transparaître ta haine de l'autre. Regarde ton environnement. Et vous avez dit que seul le travail paye. L'être humain est respecté de par son travail. Donc, Danny Scorpio, dans ce moment, on ne peut pas te respecter. Quoi que tu fasses, tu auras beau injurier seul le travail paye. Tu vas te respecter. Sors de l'environnement là. Parce que ce n'est pas à cause de Marc Brice que tu vis dans une fosse septique. Ce n'est pas à cause de Marc Brice que tu vis dans la gadoue. Même les primates là, ta pote, tapote comme ça l'herbe avant de se coucher. Les primates font leur lit. Tac, tac, tac. Le gris argenté avant de dormir, tape comme ça. Donc regarde toi-même, regarde où tu es en train de faire le direct. Pour traiter une personne qui t'énerve, hein, de gadourou gratté. Au 21e siècle, le genre là sort encore de ta bouche. Bonjour, Simon. Est-ce que le genre là sort encore de ta bouche? Coucou ma vie. Au 21e siècle. Nous nous battons justement pour que tout ça soit d'un autre temps. Tu es assis là. Tu es dans ta misère. C'est la faute du Belge là. Si tu es dans la misère. À cause de lui, si tu n'as pas de route, si tu n'as pas d'eau potable, si tu sens le fennec. C'est à cause de lui.
Parce que même s'il rentre chez lui, là, il ne va pas être misérable comme toi. Même sans le contrat, là, il ne sera pas misérable comme toi. Donc, les boules que tu as là, c'est de le voir venir ramasser les millions, là. C'est pour cela que tu l'as mauvaise. Est-ce qu'il s'est alors auto-imposé à toi? Au lieu d'aller voir Ngongo et ses hautes instructions, d'aller voir comme il est, hein, tu tombes sur lui. Il y est pourquoi? Donc il ne devait pas venir Nyama sa part. Moi-même, là, si on me dit maintenant que viens travailler à l'ambassade de France à New York, je go avec les deux mains, prends les dollars là jusqu'à le feu sort dans ça. Le feu sort dans ça. Qui refuse d'avoir une retraite dorée? Qui? Son a eu sa part là. Il avait plus de mérite que qui? Alors vous aimez souvent verser votre mal-être là partout. Son lui, on ne disait pas que il n'a jamais rien fait. Il n'a même pas le diplôme. Son lui-même avoir entraîné que l'équipe où? Pour que vous l'ayez mauvaise, là, trop mauvaise. Si vous l'avez mauvaise, allez à Ituri. Là-bas, c'est de là-bas que sortent les hautes instructions. Bonjour, Charlotte. Hein? Vous voulez être respecté. Et demain, là, quand un Caucasien va te traiter de primate, de choisir n'importe quel primate, là, et te traiter de macaque ou je sais pas quoi, tu vas vouloir qu'on aille nous autres marcher, n'est-ce pas? Tu vas vouloir qu'on crie au racisme. Il y a un racisme là dont font les afros maintenant. Hein. Nous, on ne va pas vous laisser faire. Hein. Hein? Vous, les afros là, vous voulez juste inverser les pôles. Donc, pendant que les caucasiens déposent leur part, hein, vous vous ramassez. Merci Clémence, bonjour à toi. Vous vous ramassez. Bonjour Roger. Hein? Pendant que nous parlons de citoyens du monde, c'est là ça veut dire que là où tu déposes ton sac se trouve chez toi. Vous jouez encore. C'est le continent le plus en arrière. Hein? C'est vous qui vous créez des inimitiés. Hein, mon frère? C'est vous qui vous créez des inimitiés. Donc, ma fille, si là demain, si demain mes petites filles, mes petits-fils sont caucasiens, je les ramène au Cameroun, tu vas me les traiter de gadourou gratté. Danny Scorpio, ton nez là n'est pas tel le lit de la Sanaga. Je vais. Le genre comme. Ton genre là, tu fais l'erreur là. Même Kumbu, bye. A dit que ton nez là, hein, il n'est pas assez épaté. Il est aplati la cloison nasale. En vrai. Là, ce que respirer par la bouche. Hein? Qui? Danny Scorpio. Hein? Maman. Quelqu'un qui a oublié, qui ne sait pas où s'est passée l'évolution de l'être humain. Hein? Ça dit la saleté traverse les camps et tu l'entends traiter l'autre. Vous voulez que vous mettez ça quelque façon de seconde? Hein? Et les caméras sont là-bas. Toujours en train de vous en prendre. C'est-à-dire, il semble même être le plus faible. Dis-moi un peu. Vous dites là que, oh, il n'a pas entraîné, il n'a, son avait fait quoi? Donc, vous passez la médiocrité aux afros et vous ne passez pas la même médiocrité à d'autres personnes dans ce bas monde. Hein? Pour vous, c'est la justice. Le bilan de son, lui, c'était quoi? Parce qu'il y en a qui disent que, oh, il a entraîné une équipe de 50e division. Oh, il n'a jamais gagné aucun match. Il se dit même que son n'a pas le bon diplôme, il n'a pas fini ses études. Lui, il avait déjà entraîné quelle équipe? Parce que vous, là, dès que vous voulez vous débarrasser de quelque chose, vous dites que oh, la chose, elle est penchée. Qu'est-ce qui n'est pas penché au 237? Hein? Vous avez décidé de faire du business. Oui, les gars ne vont pas chercher le plus performant. Parce que celui qui est performant, hein, et lui, il ne te donne pas les rétro-commissions. Et s'il va, il chôme. La personne qui est performante ne fait pas les rétro-commissions. Ce que les gars là veulent, ce sont les médiocres parce qu'ils vont faire des rétro-commissions. Ils vont dire, Dieu merci, vraiment, la retraite là, ma retraite était fade.
Voilà, donc je vais mettre et la crème et le lait et le beurre dans la sauce. Beurre dans les épinards. Tu rajoutes la crème même. Tu rajoutes le lait dans les épinards. C'est pour cela qu'ils vont chercher les cancans personnes comme vous voyez là. Ce sont vos dirigeants. Parce qu'une personne qui a une réputation ne va pas faire les rétrocommissions. On va dire que tu me bailles mon argent. Parce que moi, je ne vais pas chômer. Quelqu'un d'autre va me ramasser ou tu me vois là. Laisse-moi là. Je ne risque pas de prendre racine. Ah, votre pays. Qu'est-ce qu'il n'est pas penché, sérieux? Qu'est-ce qu'il n'est pas penché au 237? Hein? À chaque fois que vous avez un nouvel entraîneur, vous saccagez. Donc, vous posez la question. Vous avez eu un Camerounais. Lui-même là, on disait qu'il n'avait jamais rien entraîné. En même temps, c'est ce qu'on disait. Il n'avait jamais rien entraîné. Mais ce coup-là, même la 50e division. Et il se dit qu'il n'avait même pas le diplôme pour faire ça. Donc, vous voulez quoi à la fin? Hein? Denis Scorpio, vous voulez quoi à la fin? D'éternels insatisfaits. Tout ça parce que ça vous permet de vous en prendre à ces personnes-là. Question d'éviter de vous en prendre à ceux qui sont en haut. Va t'en prendre en Gongo. Nous, on l'a aussi découvert comme ça, non? On l'a aussi découvert comme ça. Chez nous, ça se passe pas. Ça se passe comme ça ici. Oh, si ces machins n'avaient pas fait que. Oh, est-ce qu'on en a ouais, accepté d'être entraîné par un tel? Hein? Le pays de qui? Le pays de ceci, le pays de cela. Tous tes joueurs là jouent à l'étranger. Toi qui es xénophobe là. Toi qui es raciste là. Tous tes joueurs là jouent à l'étranger. Onana là, il est ce qu'il est là aujourd'hui parce qu'il joue à l'étranger. Tous nos enfants que vous venez, c'est parce que nous, on les a élevés ici. D'accord? Sors-moi un prototype camerounais avant de commencer à insulter les Caucasiens. Hein? Tu n'aimes pas une personne, mais tu aimes ses bijoux. Tu n'aimes pas une personne, mais tu aimes ses apparats. Parce que quand tu ouvres ta longue bouche là, le championnat camerounais a sorti combien de joueurs ces dernières années? Si Onana est le plus grand gardien du monde, c'est parce qu'il évolue à l'extérieur. Le travail des Caucasiens, des gadourous grattés, comme tu dis. Coucou, Mylène. Bonjour, Tommy. Oui, tous vos motings, tout ce beau monde-là. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une équipe 100% et 237, on voit? Et vous venez jouer à l'international avec. Essayez donc. Essayez donc. Pourquoi est-ce que vous êtes obligé de vous mettre à genoux face au club en Occident ici pour qu'on vous libère, on libère ces joueurs-là? Tu ouvres ta yandagnon. Tout ce que tu aimes, tout ce que le football camerounais là, c'est grâce justement au gadourou gratté là. Oui. Prenez les Camerounais qui ne sont jamais sortis du 237 là. Vous allez juste jouer avec un pays voisin. Prenez même la RCA. Vous allez jouer avec ça, vous n'allez pas bouffer le sol là-bas. Regardez-vous dans le miroir avant d'accuser les Caucasiens. Ici, c'est le travail. On investit, on travaille. On investit, on travaille. Ici, c'est la performance. D'accord. On ne s'assied pas dans la poussière de Ngolé Wodo. Et on fait preuve de mauvaise foi. Même lui, le Gabon, là, prenons le Gabon, et même la SCA, je m'en au foot. Prenons le Gabon. Parce que la virulence que tu as, Danny Scorpio, mon frère, la virulence que tu as là, tu t'en prends aux Caucasiens, pourquoi? Et tu vas sauf que gérer les hautes instructions. C'est ça qui est ça. Les nous autres n'allons pas te. Un vrai bindo. À travers l'écran, comme là, tu vois la poussière de Colmeçon sur lui.
C'est comme ça que vous faites, on vous manque de respect. Vraiment. Depuis que tu es là, tu fais peau de haine là. Tes frères et sœurs te regardent, ils ne disent rien. Et alors, si nous l'avons abandonné, toi, tu peux le récupérer. Tu connais pas le sasayé. Hein? Tu connais pas le sasayé. Nous sommes combien de milliards dans ce bas monde? Hein? Un de perdu, 10 de retrouvé. Tu connais pas le dicton là? Tu connais pas le dicton là? Moi, quand on m'abandonne, tu me gères. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Nous sommes sur le cas d'Annie Scorpio ici. Et la haine chevillée au corps. Hein, mon frère? Rien que pour toi aujourd'hui, t'es dédié petit goûter. Est-ce que c'est la faute de Marc Brice si tu vis dans Jarsila? Hein, d'Annie Scorpio? La misère du Cameroun, on n'arrive même plus à la cacher. On n'arrive plus. Mon frère, tu as quel âge? Même mes oncles qui ont plus de 60 ans là aujourd'hui n'ont pas la tête que tu as là. Non. Non. Tu as dit, on sent la misère sortie de tous tes pores. Pour compenser ça, mon frère, tu te la joues mauvaise. Le gars, la grossièreté de ça. Je pouvais voir la poussière, les couches de poussière d'un Coleman 5 comme ça sur ta peau. Donc, tu as fini d'injurier. La transpiration de ça, allez, tu transpires. Tu n'as même pas le temps de... La sueur n'a même pas le temps de sortir. La poussière vient, elle bouche. Tu te retrouves avec un amas comme ça. Quand tu rentres le soir, tu prends seulement... Tu fais ça. Tu fais les parpaings avec... Tu fais les parpaings avec. À vomir, mon frère. Hein? Cherche quand même 2, 3, 5 francs là. Si tu veux même finir avec une jague le soir, non? Hein? Ou bien tu as pu ramasser une là aussi qui tirait le diable par la queue. Vous êtes obligé de vous supporter. Bonjour Isidore. Vous êtes obligé de vous supporter. Parce que toi là, wallahi bilahi. Je ne sais même pas ce qui t'avait ramassé pour que tu sortes mon nom de ta bouche. Quand tu me regardes, regarde-moi. Regarde-moi là, Danny Scorpio. Regarde la tête que je fais. En appuyant sur rappel mémoire, ton image. La misère, Danny Scorpio, ça ne l'a pas encore dit, moi, je te dis. La vraie misère. Elle fait tout. Quand tu vois les autres qui ont percé jusqu'à déchirer, tu l'as mauvaise. Tu l'as mauvaise. Un entrepreneur, il dit qu'il est entrepreneur. Hein? Et il dédie ces derniers temps, il est devant la fécafoot. Les chantiers sont où, non, mon frère? Je venais seulement te faire un petit coucou, te dire que moi, c'est entré dans mon oreille, moi, ne laisse pas passer. Nous travaillons pour apaiser l'humanité. Donc, certaines personnes ne peuvent pas lutter pour qu'on dépose le racisme, le tribalisme et tout. Toi, tu viens, tu te le chevilles au corps. Et il est là, hein, comme nature. Le gars assis, hein, crème. Il fait preuve de xénophobie, de haine, tranquille. Il est tel, je ne sais pas quoi dans la poussière d'un Calmesin. Il est comme un grain de sable dans la poussière d'un Colmesson. Tranquille. Tranquille. Hein, mon frère? Donc, quand tu regardes le Cameroun, là, tu l'as mauvaise. Tu vois un Caucasien qui arrive, on lui verse des millions. Tu l'as mauvaise. C'est alors de la faute du gars. Lui, il était assis tranquille chez lui, hein. Danny Scorpio, tu peux parler à qui, mon frère? Non, sérieux. Tu peux parler à qui? Tu
y a plusieurs. Un petit pays comme la Belgique. Regarde. Un petit pays comme la Belgique. Regarde. Ah, il ne veut pas enlever les ordures. Tu parles un belge. Tu peux un belge. Hein? Tu peux. Regarde chez toi. Quand tu vas même vouloir parler à... Vous pensez que les gars ont du mépris pour nous, pourquoi? Non, Danny Scorpio, de toi à moi, quand il arrive là, il voit les millions que vous allez sortir pour son salaire. Là, vous n'arrivez pas à enlever les ordures. Il est naturel qu'il ait du mépris pour nous. Hmm? Au lieu de t'acharner sur sa personne, pose-toi la question de savoir pourquoi est-ce que le gars même, il monte sur ses égos. Hein? Il peut monter sur ses égos ici. Hmm? Parce que ici là, nous nous tenons en respect. C'est ça qui est ça. Donc, Marc Brice arrive là, vous allez lui donner combien chaque fin du mois? Mais vous n'arrivez pas à enlever vos oreilles. C'est pour ça qu'il vous manque de respect. C'est pour ça qu'il dit en public qu'il n'aime pas se répéter. Parce qu'il sait ce que nous valons. Il sait dans quelles conditions il est arrivé au Cameroun. C'est vous qui allez chercher les problèmes. Hmm. Il sait par quelle mafia il est passé. Donc, au lieu d'en vouloir à Marc Brice et mettre tes organes sur les histoires de l'Africa Food. Regarde. Donc, Danny Scorpio, tu es assis là. Et tu traites Marc Brice de Gadourou gratté. Regarde, mon frère. Tu veux qu'il te prenne par quel bout? Et... Bonjour Dominique. Tu veux qu'il te prenne par quel bout, mon frère? Le mur derrière là-bas, c'est là où tu es assis. Là, le mur jaune là-bas. Là-bas où tu es assis. Et tu le traites tout ce que tu as pu sortir là-bas comme méchanceté, comme... Regarde. Hein, mon frère. Ça c'est combien d'années? Les strates là. Hein? C'est comme 1000 feuilles. Combien d'années? Le problème. Nous ici, quand il y a grève une semaine, nous on commence à prendre les allumettes. On leur dit que si vous n'allumez pas, nous on ferme le feu. Et il y en a qui brûlent. Hein? Mmh. Ça là, on peut encore dire que ça attire les rats. les gars. Regarde. Et à nous autres, là, on nous dit souvent, viens faire ça ici au Cameroun, mon gars. Moi, un peu plus, hein. Vous dites que le Cameroun m'apache. 2-3 années d'affilée, dit à ma mère que moi, viens plus. Mon corps trinque trop. Je laisse ma vie quasi aseptisée. J'arrive ici. Oui, je dois avoir peur de tout. Pourtant, je suis né là. Même de l'air, j'ai peur. Je passe par un quartier, là, quand il rentre, j'ai l'impression que les vers de caillots ont sauté sur moi. Ce n'est pas normal. Un pays dans lequel tu es né, dans un pays dans lequel tu as grandi, tu bats là-bas, tout est contre toi. Vous pensez vraiment qu'on fait ça, nous autres là, on fait ça exprès. Bonjour, Fénon. Hein? Vous pensez vraiment que nous autres là faisons exprès? Que tu arrives dans un pays, le pays dans lequel tu es né, tu sais plus comment on traverse la route. Comme s'il faut aller faire bac plus 50 pour traverser la route. Tout simplement parce que les gens vivent contre nous. Tu as beau voyager, le genre là, tu ne rencontres plus. Plus vraiment. Mmh. On met le feu. Ton cerveau sait que le feu, c'est comme ça. Les automatismes s'activent. On te dit que, oh. Donc, Danny Scorpio, l'okchou, hein. Yipnyo. Celle même. Si tu ne peux pas réfléchir et parler en même temps. Mmh. J'attends la copie ce coup-là. Oui, là où je... Bonjour, Rinaldo, là où je suis assise, là. Si tu sonnes copie, je ne viendrai plus en mode... Et te foncer dans le lard. Oui. Parce que tu me dois, comme disait Camerounais, pour ton action passée là, tu me dois. J'étais assise ma chose dans mon coin là,
Je ne sais pas combien, combien de directs là. Tu as eu besoin de combien de directs pour me secouer. Donc, retour. Moi, on ne sait jamais quand je vais back. Quand je suis assise là dans mon coin, tu viens me chercher. Je fais mine de n'avoir pas vu. Et je ne vous dis très souvent même, je ne gère pas. Donc, Danny Scorpion, si ceux qui ont eu mal aux oreilles ne t'ont pas dit que tu as mal fait, moi je te le dis. Si tu n'es pas content, c'est le même tarif. Si tu ne vois pas bien, regarde-toi, prends des paires de lunettes, emprunte des paires de lunettes parce que toi, une ne suffira pas. Tu ne peux pas traiter une... Bonjour, Kadi. Tu ne peux pas traiter un autre être humain d'espèce 2. Non. Du tout, du tout. Parce qu'avec toi, là, on n'a pas besoin de lunettes pour voir en toi une ressemblance. Je ne sais pas lequel choisir. Par qui a quoi? Combien? Une vingtaine. Je ne sais pas lequel choisir. Non, 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 c'est un entrepreneur. Quel chômage? Tu n'es plus au chômage. Ah, je pensais que tu parlais de Danny Scorpio. Hein, Danny? Bonsoir, Mère de la Hille. Ainsi, j'ai parlé. Va t'en prendre en gongo. Oh, les colons ont fait que. Oh, les ceci ont fait que. Oh, oh, il s'est imposé à vous. Hein? Si son colon, quand nous arrivons ici en Occident, nous sommes quoi? S'ils sont colons, quand nous arrivons ici, nous sommes quoi? Tu as un jour été colonisé, toi là. Est-ce que tu as connu la colonisation? Tu sais de quoi tu parles? Non, tu ne sais pas. La colonisation, c'est d'un autre temps. Tu es responsable de ce qui se passe dans ton pays. Si Marc Brice est là-bas, c'est parce que tu es allé le chercher. Il n'a pas pris sa caravelle. Il a débarqué sur les côtes du Cameroun. Non. D'accord. Donc, si tu l'as mauvaise, tu vas t'en prendre à la personne qui allait le chercher. Ah, il dit qu'il est entrepreneur. Bâtiment. Je crois que dans le bâtiment. Oui, 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 oui. Il doit être maçon. Et il a un chantier tous les 32 du mois. Parce que ces temps-ci, il dort, lui, sauf qu'à l'Africa Foot. Danny Scorpio. Ainsi, moi, j'ai parlé. Quand tu vas déposer ta copie, tu ne sais pas à quel moment je vais te rouler dans les plumes. D'accord. Voilà. Tu peux la voir mauvaise. Oui, mais tous les aigris. Hein? Quand tu vois des Caucasiens venir chercher de l'argent comme ça, mon gars, est-ce que c'est la faute du gars? Le gars, lui, était dans son quartier. Il n'a rien demandé. Eh, Amen, Amen. Pardon. Kajou le colo. Pardon, laisse. Non, eh ben, vous aussi, vous aimez. Vous n'êtes pas bien. Bonjour, Dieu, ma force. Bonjour, Masso. Laissez Amen, Amen. Ah. Amen, Amen, cherche les abeilles. Cherche les têtes cassées. Cherche. Je crois que le mariage là c'est chaud. Hein? Ma Caïman a plus de vues qu'Amère Caïman maintenant. On va faire comment? Le game là, hein, il n'est plus gamique du tout, du tout. Amère Caïman, je t'ai dit que l'histoire que tu veux préparer pour 2025 ou avant là, maf! Amère Caïman, laissez Amère Caïman. Amère Caïman en mode lecture de l'heure. Caméra en mode lecture de l'heure. Laissez-le. Il ne voit pas clair. Il a tout essayé. Ah, Maman Sarah. Passez un bon début de... il y a même le money, le orange money là-bas. Il y a le PayPal. Hein. Maman, c'est bientôt mon anniversaire. Oh. Au fait, Caméra, c'était ton anniversaire. Le 1er mai, c'était ton anniversaire et que je n'ai pas vu la chouille. Oh, Amen, Amen, pardon, bonbon, mais là. Hein? Aidez-moi à faire quoi? Amen, Amen, à faire direct, pardon, me faites Paris, déposez un peu
Daddy Scorpio, je prends mon frère en long si. Je t'ai dit que bien mal acquis, tu ne peux pas vouloir créer quelque chose de similaire en gâtant ce qui est déjà là. Pourtant, ne va pas prendre. Les Camerounais niaiseries là doivent s'arrêter. Hein? Il y a TF1, France 2, France 3, France O. Non, c'est France O. Non, avant France O, il y a quoi? France 4 là, ça a un autre nom. Hein? France 4 là, il y a un autre nom, Thibault. J'allume ma puce. Tiens. Merci, c'est Yankee. Ouais. Oh, t'as pensé à ta vieille mère. Fais bisous. Ouais, vieille, c'est le cas, le dire. Pas de gueule. Fais bisous. Mouah. Attends un peu, je voulais te poser une question, je sais plus quoi. Est-ce que je suis enceinte? Comment elle dit ton arrière-grand-père? T'as bu ça dans un verre, Thibou? Qu'est-ce qu'il y a comme question? Non, mais je sais plus ce que je voulais te poser comme question. Grave, il y a, oui, dis-moi, c'est France O. Oui, France 4, non, Outre-mer, non, il y a. C'est France 4 qui est devenue France O, si je ne m'abuse. C'est ça, hein? France O, France Télévision. Attendez. Donc, tu es là, tu as créé ta télé. Au lieu de créer ça easy, hein? Tu arrives, tu veux d'abord gâter pour l'autre. Ça ne peut pas donner. Oui, c'est France 4 qui est devenue France O. Donc, oh là là. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Donc, France TF1, France Arte qui est la 5, France 3, France 5. Bon, bref, je crois que c'est France 4 qui est devenue France O, France Outre-mer. La 5 qui partage le canal avec Arte. Je pense que nous arrêtons à. Après, on prend, c'est M6. C'est ça, hein? France Télévision, donc c'est. France 2, France 3, France O, la 5, et après la 6, c'est. Donc il y a 4 chaînes, hein, si je m'abuse. Si on ne compte. Bon, bref. Donc, voici Ahmed Kamer qui dit qu'il veut créer sa part de TV. Il commence d'abord par descendre une TV qui est déjà sur place. Toi-même, la nature te voit comment? Hein? Tu as dit que, oh, Tata Lolo, elle ne fait rien avec les dos qu'elle. On lui donne pour la télé. Tu viens encore chercher toi-même les dos. Moi, je croyais que tu étais pété le sou. Ah, mais quand même, tu as quand même investi. C'est combien de millions 237 là? Hein? Donc, même ta mise là, tu n'as pas récupéré. Tu as bouffé ça comme des cacahuètes. Bah, attendez, attendez, attendez. Moi, je suis d'humeur. Je suis d'humeur. Goûter aujourd'hui, je dois bien, comme je suis au régime là, il faut que je mange bien à cette heure-ci. Mich et son mariage, ok, donc tu ne parles pas de ta télé. Tu n'as pas les moyens voulant un grand mariage. Bon, Amen, Kamer, un homme qui n'a pas les moyens peut vouloir créer la télé. Non, 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 moi je croyais que c'était la vidéo pour vous vanter ta télé, tu ne vantes pas ta télé. Oh, tu parles de Mich. Michel, son mariage. Toi-même, Marie, toi, on voit. Crée ta télé, là, sans venir faire là, le Ndjangui, si on voit. Hein? Oh, je crois qu'Amé Kamer est en train de traiter ses boutons. Ah, ah! Amé Kamer est en train de traiter ses boutons. Je n'ai pas dit son nom, hein. Quoi que. Non, pas tout la à fait. Blogueuse gabonaise. Bon. Ma chérie, il va te laver. Amé Kamer. Le blogueur camerounais des choisions. Je vais te laver propre. Tu vois, je suis super pauvre. Oh. Quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Amen, Kamer, virgule. Quand on n'a pas d'argent, on ne crée pas de télé. Quand on n'a pas d'argent, on ne crée pas un poulailler. Quand on n'a pas d'argent, on ne joue pas le yebli mal. Ouais, Amen, Kamer, c'est dur, hein. Tu es retombé dans tes travers. Ah, c'est dur. En 5 heures, tu as seulement 2800 vues. 2600 vues. Hein? Où sont passées les 50 000 vues là, mon frère? Ah, c'est dur. Hein? Faut être comme nous là. Ma mère
nous a toujours dit que quand tu travailles là, il faut pas chercher à accrocher ton sac au-dessus du niveau de ta taille. Il faut pas vouloir faire les vents plus haut que ton derrière. Il faut être constant. Donc, tu poses ça là où tu sais qu'il y aura la constance. Hein, mon frère. Tu parles des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens. Hein, Ahmed Kamé, tu crées la télé ou Ben Money. Money, hein. Hein, Ahmed Kamé, quand vous avez souvent Yako ou Washi les gens, moi, je vais aller acheter l'affaire de Mich ici. Moi, je te wash. Hmm? Tu mets le PayPal, pourquoi? Est-ce que c'est la première fois qu'une personne se marie en prenant un crédit? Ah, beaucoup de mariages sont à crédit, mon frère. Donc, tu savais pas. Ah, tu t'es jamais marié. Ah, les grands mariages, là. Oh, il y en a qui prennent des crédits pour faire les mariages. Donc, si toi, tu prends le crédit pour acheter la voiture, pourquoi ils ne prenaient pas le crédit pour faire mon mariage? Bah, ça fait partie des choses de la vie, non? Ah, vous avez souvent des choses que vous installez comme façon de mode de vie. Si j'ai envie de prendre mon crédit pour... si j'ai envie de faire le mariage à crédit pour vous, quoi là-dedans? Hein, est-ce que c'est vous qu'elle a fait? Ou qu'elle aurait fait? Pardon, Karine, tu n'y étais pas. C'est vous qu'elle aurait fait? Amen, Kamer, pardon, laisse. Quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Quand on n'a pas d'argent, virgule, on ne va pas squatter chez une fille. Hein? Quand on n'a pas d'argent, virgule, on n'essaye pas de vivre dans un appartement à crédit. Oui, on vit dans sa voiture. Ou on vit sous les ponts. C'est ton niveau là-bas, mec, mec. On ne va pas forcer les enfants d'une fille dans un T3. Hein? On ne va pas prendre en otage le salon familial d'une fille. D'accord? Ma co aussi. Vous avez vu les oreilles d'Amé Kamé? Je sais plus où ça a attiré mon attention. Hé! Hey, Amé Kamé. Ma co aussi. Mon compte assis, il t'a dit que 2025 ici, maf. Je veux même pas te voir une seule seconde. C'est toujours les blogueuses africaines. Hein? C'est vous qui n'avez pas l'argent, c'est vous qui avez les crédits. C'est toujours Ahmed Kamé, le blogueur Poxo Pro Max, qui est fier de dormir dans sa voiture. D'accord. 25 ans de beng. Qui, quand il loue une maison, c'est pour en faire une maison de passe. On peut faire ça. Ahmed Kamé, va travailler. Cesse de vivre aux dépens de tes soeurs. Oui, le proxénétisme est condamné par la loi. Et Amen Kamé. Ici dehors partout, c'est toujours les blogueuses africaines parce que vous voulez montrer. Blogueurs et blogueuses africaines parce que vous voulez montrer aux gens que vous avez. Amen Kamé, c'est toujours ça, Amen Kamé, parce que tu veux montrer que. Tu avais dit que tu allais investir combien de millions de CFA dans un poulailler. Que même les poulets bicyclettes là, de mon village natal, étaient plus nombreux que les poulets dans ton poulailler, mon frère. On peut faire ça. On peut faire comme ça. Et Feynman Pro Max. J'ai réussi. Je m'avais même dormi. J'ai réussi à la pauvreté. Ah, amen, amen. Voilà, tu étais marié. Amen, Kamé, tu traites un être humain de pauvre. Amen, Kamé, toi qui n'as pas de domicile fixe là. Amen, c'est toi qui nous parles de pauvreté. Loue ta part, on voit. Sans mettre les vendeuses de piments dedans. Loue ta part, on voit. Tu es un squatteur Pro Max. Le jour où une fille s'énerve, tu dors sur le palier. Mon frère, c'est toi qui parles aux filles. Épouse aussi, t'as parlé, on voit, non? Elle est mariée, même si c'est à crédit. Même si c'est à crédit, elle est mariée. Tu n'as pas honte. Amen, Kamé, t'as pas de travail. Parce que quand tu essaies de faire un blog sans injurier tes soeurs, ça ne marche pas.
ça ne marche pas. Pourquoi tu ne vas pas mesurer tes 5,3 cm avec le plantain d'un autre gars? Pourquoi tu es toujours sur les jags? Hein? Parce que tu sais que si tu fais ça à Ndibo, il va te rencontrer à Paris là. Vroom! Il va te racler. Ton bassin là va faire 360 degrés. Oui, mais tu es toujours sur les jags. Tu n'as pas honte à main quand même. Hmm? La bouche que tu as là-bas chez une fille là, tu n'arrives pas à la gérer. Tu viens tomber sur Mich parce que tu veux seulement engager le clash. Tu veux revenir dans le clash. Hein? Tu as vu que ta télé là ne donne pas. Hein? Ah, tu croyais que ça allait donner. Oh putain. Tu croyais vraiment que ça allait donner. Personnes, tu n'as pas l'argent. Hmm. Le budget de mariage de 500 personnes, 2000 euros. On en bête. Amen, amen. Le budget d'un gars qui a passé 25 ans en Bengue, c'est 30 euros. Un cassoulet, 1 euro par jour. Et dormiment dans sa voiture. On peut faire ça. Vous avez passé la vie des autres pays. Enfin, là, amen, amen, toi, tu parles à 25 ans de Bengue. Il se dit que tu as 12 gamins qui sont, on ne sait pas où, à Dache, à péter au Chinook. Hein? À Dache, les bains. Hein, amen, amen. 25 ans de bain. Tu ne t'as jamais vu assis comme ça, comme avec les nous autres, que ton enfant rentre, tu dis, fais bisous. Ton enfant rentre, et dit que, tiens, maman. T'as chaud au régime, eh, Seigneur. Eh, l'amour peut déborder comme ça. Hein? Amen, amen. 25 ans de bain. On ne te connaît pas de vie fixe. Mich, elle est mariée. Elle est mariée. Elle est un foyer. Toi, tu es en train de serrer les enfants d'une fille. Hmm? Tu es en train de serrer les enfants d'une fille. Eh oui. Même pipe, même tabac. Si elle n'a même pas les mounas, elle-même là, vous seriez en train de nang dans ta voiture. Hein? Parce qu'elle a eu la maison là, parce qu'elle a les mounas. Bah oui. Hein, mon frère. On peut être programmé pour échouer comme ça. Ah, continuons, c'est seulement 6 minutes. C'est pour que tu montres à la communauté que tu as réussi ta vie. Parce qu'il faut que tu montres à la communauté que toi tu as brisé. Ma chérie, comme... Amen, amen. Toujours en train de loum. Parce qu'il faut que tu fasses croire à la communauté que tu as réussi. Hmm. Oh, je suis investisseur. Oh, j'ai fait tel nombre d'hectares. Oh, te voici en train de piétiner le pavé français. Hmm. Hein, amen de Kamé. Tu veux créer la télé de mon nom. Ah, pas l'argent. Maintenant, tu dis que oh, ce que tu faisais comme reproche à Lolo, c'est exactement la même chose que tu fais. On t'a dit qu'on fait les déviations comme ça. Sérieux. Amen Kamé. Comme nous sommes trop Ndungala, donc tu as déjà fait avec les Yabimal, tu as fait avec le poulailler. Tu as même fait avec les maisons closes. Tu es encore venu faire avec la télé. Non, mais mon gars. Hein? Non, mon frère. Mais quand même un peu de vaseline. Hmm? Tout le monde n'est pas maso. Pas l'argent, on ne se marie pas. Quand on n'a pas d'argent, on vit sous les ponts. On ne va pas serrer une fille. On ne va pas serrer ses enfants. D'accord? Quand on n'a pas l'argent, on ne se marie pas. Quand on n'a pas d'argent, on vit dans sa voiture. On ne cherche pas à vivre dans un appart. Hein? Ton mari a été incapable de payer son propre mariage. Toi-même, tu as été incapable de payer ton... Amen, Kamer a été incapable de louer son propre appartement. Et elle allait serrer une fille dans son logement. Qui n'est déjà pas assez grand pour ses enfants et elle. Bah, on peut se la jouer comme ça. Amen, amen. Tu crois que quoi? Que les gens n'ont pas à redire sur toi. Propre malade. Après, toi, tu me mets à la télé. Bon, journaliste, journaliste. Amen, amen. Qui est fier de lui après 25 ans passés en Bengue au plus bas mot, à plus de 50 ans, qui est fier de dire qu'il dort dans sa voiture et il mange des boîtes de cassoulet à 1 euro? Hein?
Est-ce que Mich dort sous les ponts? Est-ce que Mich et son mari squattent chez quelqu'un? Toi, tu es un squatteur pro max. Comme tu as squatté chez ta feu épouse, tu as jusqu'à transformer sa maison en maison de passe. C'est de la même façon que tu squattes chez une fille. Bah oui. Toi, ta part là, Mich au moins, ce sont des dettes. Toi, ta part là, c'est quoi? C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est le fait. C'est quoi? Ah, ça s'appuie sur vous, non? La France a apporté. Et là, où vous faites? Les toi qui? Les pauvres de la toile. Vous voulez les gros mariages. Mieux, on n'écoute plus. Hein, Amek, Amek, quand tu regardes, maman, on a l'impression que tu es quelqu'un. Amek, Amek. Faussaire jusqu'au bout des lèvres. Faussaire pour Max. Amek, Amek. Tu as déjà eu un domicile à toi. Même quand tu vas en Afrique, mon frère, tu as vu où tu vivais. Une maison en tôle. Tu vivais dans une pièce en tôle, mon frère. De vieilles tôles. Même pas les tôles d'alu comme là en aluminium. Hein. Non. Les tôles de l'époque allemande, là, le genre qui rouillait encore là. Oui. Tu as pris des draps. Cache-misère. Ah, mais quand même, excuse-nous. Veux un peu écouter tes bêtises là. Hein? C'est toi qui dois t'adresser aux êtres humains dans ce bas monde. Eh, Amen, Kamé. Toi là, tu as ton mot à dire sur les vies des gens. Pas l'argent. Tu avais dit que tu étais revenu pour voir des investisseurs. Ça a bientôt fait 3 ans. Oui, il est venu voir les investisseurs. Nous attendons toujours les investisseurs, là, mon frère. On peut faire ça. Non, mes frères, là, mes frères, Danny Scorpio et toi, là. Eh, mes frères, Bassa, il ne faut pas souvent nous faire honte comme ça. Et des aigris Pro Max. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Amen, Kamé, si c'est un peu le tribalisme, c'est le misogynisme. On dit misogynisme. Ça existe. Il est misogyne. Hein? Danny Scorpio là-bas. Si ce n'est pas le tribalisme, c'est le racisme. On va faire comment avec nous, non? Amen, Amen. Toute ta vie tient. Je ne suis même pas sûr que tu aies des valises dans les sacs Banjok. Toute ta vie tient dans les sacs Banjok. Le mensonge est chez toi ce que l'oxygène est à l'être humain, à l'homme, aux êtres humains, aux êtres vivants. Oui, le mensonge, tu l'as. C'est comme l'oxygène. Ouais, le mensonge est toi. Et c'est toi qui ouvres ta bouche là, tu viens t'adresser et tu t'adresses même seulement aux femmes. On ne te voit jamais si tu adresses un homme. Ouais, mais quand même. Voilà ta télé. Amèque, Amèque TV. Tu avais dit que oh, ça allait trop cartonner. Que oh, les émissions allaient faire que co. Tu montres les femmes qui pilent la checker H24. H24. Les femmes qui pilent la checker. H24. Eh ben. Est-ce que c'est simple? Hein? Est-ce que c'est simple? Quand Oshimimban parle de transformation, en 5 heures, elle a 1700 vues. Bah, il ne faut pas faire des vents plus haut que son derrière. Oui, c'est ça qui est ça. Tant que vous ne tapez pas sur Fleur de Lis, Lolo et tout, dès que maman, tu te maquilles maintenant. Oshimimban. Oshimimban. La mère, hein, maman, la fille, si elle a le mieux, la dépose. Tu te maquilles.
c'est bio, c'est africain, hein, apata. Tu crois que ça te maquille comme ça qu'on va oublier que tu es ce que tu es? Hein? Oh, je suis mimbang. La mère. Tu t'es égaré chez Sephora maquillage. Ah, oh putain. Oshimimban, sérieux, fond de teint, rouge à lèvres, les clignotants. Maman. Maman, tu allais tourner un clip. Parce que la fille sienne, et à un moment, elle disait que oh, le maquillage est monté, c'est descendu, le maquillage est monté. Ça laisse qui non? Avec l'âge, la tombe, tu vois que mieux tu fais mini ravalement de façade. Oh, Chimimba! Hey, oh, oh! Les Afro qui luttent contre le maquillage, pourtant, vos ancêtres se maquillaient déjà. C'est pas parce que les Caucasiens ont fait ça joli, joli, ont trouvé des choses, sont allés au labo, faire des études sur les machins, les gènes, machin, machin. Les femmes Imba, elles se versent, elles mettent du fond de teint. Vous pensez que la teint d'ocre là, c'est quoi? Hein? Les Bororo sont là-bas, elles se mettent, le col est vieux comme l'Égypte. Hein? Ah! Les Afro, changez, hein? Oh, que les perruques qu'on fait. Cléopâtre, vous dites que vous êtes venu d'Égypte. Non, Cléopâtre avait les pharaons avaient les perruques sur la tête, non. En dessous, là-bas, boule à zéro. Et... Ah, maman. Vous pensez que Cléopâtre, là, c'était quoi? Oh, c'était la perruque. L'école est bien. Bonjour, Fanny Dion. L'école est bien, donc vous arrivez là, vous pensez que vous avez créé l'eau chaude. Vous avez inventé l'eau chaude, le couteau à côté pour le beurre. Quand vous dites que oh, les femmes vous maquillent, machin, 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 vous prenez l'Égypte antique. Les Égyptiens se maquillaient, tiens que le col, tiens que... Hein? Tiens que ils se maquillaient. Hein? Nous n'avons rien inventé. La crème solaire là. Il y a des femmes qui se mettent du kaolin en guise d'écran total. Ou c'est seulement pour le blanc qui vous énerve. Hein? En Asie, vous avez la poudre de riz. Tchak, 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 tchak. Les autres sont allés au labo pour sortir le fond de teint que vous voyez là. Là, je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit une allergie. Mais bon, je crois que c'est dû à la crème. Hein. Après, parce que Amé quand même avait une peau nette. Hein. Bon, après, comment on l'appelle? Oshiga, elle, sont les poils. Hein, sont les poils incarnés qui lui font les boutons. Elle a beaucoup de comment on appelle l'hormone mâle là. Comment on appelle cette hormone mâle là? Progestérone, œstrogène. Et chez l'homme, c'est testostérone. A beaucoup de testostérone. Dans les poils. Non, Oshiga, tu es vraiment allé te faire un ravalement de façade. Oh putain. Si tu n'avais pas de lox, je suis sûr que tu aurais fini en mode greffe ou un truc comme ça. Ah, ça ne laisse personne. La concurrence est rude. Quand tu vois les petites influenceuses là et tout. Tu as vu notre Frenchie là, la plus grande influenceuse Frenchie qui était au maître. Maman, pas les bacs badjona, je suis influenceuse, je suis. Allez. Qu'est-ce que bien ton diable, lui aussi fait preuve de racisme. J'ai tout ramassé mon frère bien ton ici. Hein? J'ai tout ramassé mon frère bien ton ici pendant l'affaire Samy, pardon, laissez. Je tiens encore un peu à ma vie. Bien, tu auras trop le macabo, il est encore sur Bobda.
Il a la FICA Foot, il est en compagnie d'un de ses adjoints, l'entraîneur, grandeur Idriss Carlos Kameni. Ah, eux-mêmes, ils savent comment ils vont faire là-bas. Ah, lui, il appelle Brice Brocan. Ah, laissez, ce soir, ils sont, nous sommes un certain nombre là à la voir mauvaise. Hein? Le gars, c'est un pays du froid qu'il a sauvé. Hein? La Norvège, moi, ça, je suis passé par la Norvège. J'ai regardé ça comme ça et dit, bon, j'aime bien la verdure, mais quand même, hein? Il y a d'autres pays qui arrivent avant celui-ci. Oui. Brice Brocante, parce que quoi? Ben, je comprends pas. Des fois, il y a des trucs que vous créez. Quand une personne va t'appeler Michel, attends que je cherche un truc. Michel Bidonville. Un truc comme ça. Hein? Ou Michel Inondation. Ouais, et encore jusque-là, c'est... Hein? Tu vas dire que la personne là... n'est pas gentille, qu'elle est raciste, qu'elle est... Je vous jure. Avec vous là, c'est même pas la peine. Ah, j'ai vu ça passer. Mais il y a des moments où le temps que ça arrive au cerveau. Hein? Il y a des moments comme ça. Bon, ainsi j'ai parlé, m'avais dormi. J'ai pas envie de manger les cookies là, mais ils me disent, mange-moi, 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 mange-moi. Non, non, il a toujours mauvaise. Hmm. Il a toujours mauvaise par rapport à l'affaire Samy. Toujours, toujours. Il m'en va au Congo, ça, il m'en va chez Wario. Wario en direct. Ma soeur là, oh, ma soeur là, vraiment. Allez, la famille. Bien bas, je vous salue. Dans les scorpions. Le jour où je t'entends faire preuve de racisme, je te tombe dessus. C'était le hasard, hein, vraiment plus hasard. Je me suis arrêté et au moment, au pire moment, quoi, j'entends seulement dire oh putain. Oh putain. Hmm. Nous autres travaillons afin que l'humanité soit apaisée. Bon, si tu ne veux pas régler tes problèmes de fond, ne tombe pas sur nous. Ne tombe pas sur nos enfants. Parce que si je traverse avec mes enfants qui sont caucasiens, tu traites un de gadourou gratté, je t'écrase la cloison nasale. C'est ça qui est ça. Oui. Hein? Et nous allons finir au tribunal. Parce que je vous pose souvent la question de savoir si vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, là, les histoires de race et de continent tiennent encore. Hein? Si vous pensez que l'Afrique n'est réservée qu'aux Afro-Noirs, depuis des années, des siècles, il y a des Caucasiens africains, pas Afro-Africains. Dans toutes vos bêtises que vous faites là, allez reprendre nos frères Afro-Américains là-bas, vous ramenez sur le continent, on voit. D'accord? Et c'est vous qui vous baladez comme des âmes perdues. Vous fuyez le 237 pour aller voir ailleurs. C'est comme ça que vous vous mélangez. Hmm? Pour venir nous dire demain que, oh, espèce de ceci, espèce de cela. Bushman. Allez. Hein? Il avait mis un léger pour aller faire au Burkina. Afin de plaider pour le 237. Dieu cède à la tentation, pardon. Là, il faut que je sois discipliné. Mmh, montre dedans même, c'est bien. Mmh, on montre seulement le dent, d'accord? Ah, vraiment, l'enfant, si, hein. Ma fille ne m'aime vraiment pas. Allez, bisous là-bas pour plaider pour le... Ah, ah! Mieux que non.